décollage de Bram Farine. Hop, donc on est parti pour un petit cross. On aimerait bien aller au Banchet après être allé à Grenoble. Je suis avec le bon Ludo. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, Bram Farine vient de quitter le thermique. Et on va là-bas. Voilà, on va droit en face. Ici là, tac. Merde. Et voilà le Lucas. Excellent. Mais on a Gilles qui est là-haut avec Casseno, le petit Lucas qui est là. Le Chamchon. Nathan, Beldon. L'objectif, c'est d'aller là-bas, vers le lac d'Aigbelette, sous le cumulus. On va se refaire là, et après on file. Oh, on vient de se faire dégommer au... Je sais pas comment ça s'appelle, à la grande suite, je crois. Derrière, là, horrible, très très fort. Eh ben dis donc, là, on s'est mis une belle danse. Hein. A dû donner, ouais, 700 mètres, que j'étais à 1002 je crois, et c'était déjà mais à beau. Et allez, direction le collet d'Alba là-bas pour le dernier petit point, et puis après on ira se poser parce que ça part quand même bien en cacahuète là dans Beldon aussi. Et puis voilà, tac, bah, c'était fumant hein. Là-bas c'est bien parti en live aussi, on est sorti juste de la Chartreuse, nickel. Et voilà, non mais c'était cool.
Et on est bien là. Oh la galère en bas là. Eh ben nickel hein. Tac, on a le collet là-bas. C'est pété de neige. Voilà, Valpelouse, on a Ludo là-bas sous le nuage. Voilà, la boucle est bouclée. Nous avons décollé d'ici ce matin avec Ludo. Voilà, on va poser là en dessous. Et ben c'était cool les amis.